Les gars, l'heure est grave. Déjà parce que je vais couper. Déjà de une. Voilà, au moins ça c'est fait. Mais déjà de deux, ce Shin Megami Tensei que je découvre ici est juste le plus abusé question de difficulté que j'ai pu jouer. Eh bien, salut tout le monde, c'est Team Epon et bienvenue pour un nouveau Direct Play sur Kyakush Megami Tensei. Alors ce jeu, les gars, ce jeu, croyez-moi que bah, j'ai fait une petite session random de mon côté pour essayer de voir quel éventuel jeu Super NES je pourrais montrer en vidéo. Et je suis tombé sur celui-ci, bon. Mon esprit me dit que je suis tombé sur un Megami Tensei, donc ce sera fort intéressant. Tout comme les opus Majin Tensei qui sont très très bons. Et puis j'ai vu ce jeu. Dieu qu'il faut être sadomaso pour essayer de le finir. Je vous jure. Shin Megami Tensei IF est juste petite bite comparé à ce jeu. Je vous le jure. Alors on a le choix 1 et 2. Je sais pas à quoi ça correspond, pour vous dire. Peut-être un lien entre le 1 ou le 2, au vu du scénario, je sais pas. Alors, vous allez voir tout de suite, hein, le bordel que c'est, je vous jure. Par contre, les OST, elles sont vraiment bien. Je vous jure, on reconnaît des thèmes célèbres, donc de la franchise. Et mais croyez-moi, putain, c'est abominable le jeu. Je vous jure, il est abominable question de difficulté. Tu descends à peine l'étage, c'est bon. Tu sais même pas parler au démon. Tu sais même pas parler au démon. Il te défonce la gueule, c'est. Alors je fais vraiment ce truc. Je vais pas dire que c'est en découverte, hein. C'est en direct play parce que bon. En soi, c'est un Megami Tensei. Ça reprend vraiment les recettes des autres sur Super NES. Et disons que j'ai quand même essayé d'un peu jouer, un peu justement pour essayer de dépasser le seuil de difficulté qui était présent, mais c'est pas possible, je vous jure, c'est pas possible. Alors ici, vraiment une introduction Made in Megami Tensei, donc assez sombre, et tout ce qui vaut justement sur un Megami Tensei d'origine. Mais vraiment, la difficulté du jeu, je vous jure, j'ai abandonné après 2 heures de session de jeu. Ah, je vous jure, les mecs, c'est pas possible cette difficulté. C'est pas possible. J'ai essayé. Pourtant, la difficulté et moi, je connais. Surtout sur Shin Megami Tensei. Mais là, les mecs, c'est pas possible. Franchement. Une intro bien classe, hein. Ça représente tellement bien le côté chaotique de Shin Megami Tensei. Alors, écoutez-moi cette musique. Ça représente tellement bien le côté de la série glauque, tout ça. Allez, Star. Bon, ici, on est pour choisir notre prénom, notre nom, tout ça, et notre compagnon, parce que oui, on a directement un compagnon dans le jeu. Je vais privilégier un peu la force, la chance, et ça, voilà, je pense qu'on est bon. Mais ce sont privilégiés la force parce que j'en ai besoin dans ce jeu. J'en ai absolument besoin, je vous jure. J'en ai absolument besoin. Alors écoutez, les musiques, elles sont quand même pas mal, hein. Vraiment de très très bonnes factures. J'étais agréablement surpris, pour tout vous dire. Mais une fois que tu descends l'étage, c'est bon. Non, pas tout de suite. Non. Non. On va visiter un petit peu, les gars. Après, je ferai un reset et on se lancera vers le deuxième opus. Alors, je sais pas ce qu'il représente pour la série des Shin Megami Tensei, ce jeu. Faudrait que je regarde plus en profondeur l'un de ces quatre. Mais vraiment, ça m'intéresse quand même. Donc là, c'est Kajo. Donc c'est pour les fusions de démons. Mais bon, j'ai aucun démon avec moi, malheureusement. Et je risque pas d'en avoir, je pense. Parce que putain, ce jeu, je te jure. C'est. Waouh. Je
genre de Cibo Sprite. J'aime bien les décors, hein, vraiment. Portes sont fermées, c'est génial. Wipon, mais j'ai pas d'argent. C'est un putain de chat qui nous vend les armes là. Ça c'est save, je pense. Halmol. J'aime bien la musique des shops. Vraiment bien sympa. Ici, un coffre. 500. Oh, attends, mais je peux m'acheter une arme. Je vais éviter de me faire défoncer comme ça, putain. Putain, j'étais pas tombé sur ça avant, moi. On va laisser ça comme ça, je pense. Mais j'aimerais bien t'équiper de quelque chose, en fait. Ouais, Sword. Mais je veux t'équiper de la Sword, justement. Ouais, ça, c'est bien, c'est bien. Bah, au moins j'ai quelqu'un qui a une épée. C'est tant mieux, c'est vraiment tant mieux. Au moins on sera en sécurité, si je puis dire ainsi. Bon, je vais m'acheter des armures parce que tu crèves. C'est pour ça que je dis que c'est difficile. Tu crèves tellement rapidement, c'est un truc pas possible. Et je sais pas sur qui je vais l'équiper par contre. Attends. Ouais, toi. His body is ready. Enfin, my body is ready. Oui et non, mais. Parce que croyez-moi que. Putain de merde, mon gars. Écoutez cette musique, j'adore. Ouais, voilà. Alors, la musique, c'est Deadlus, un truc comme ça, il me semble. Très bonne OST, vraiment. J'ai rien à dire à ce sujet. Oula. Ça pue pour nous. Bon. On va essayer, hein. Putain. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Gardez, gardez, gardez-moi ça. Gardez-moi ça, on sait rien faire. On sait rien faire dans ce jeu. Alors, je veux bien qu'il y ait une difficulté. Ça, je dis clairement pas non. Mais si tu sais même pas combattre les ennemis, si tu leur fais qu'un seul dégât, que tu sais même pas t'échapper, ça sert à rien, là par contre c'est pas drôle, tu vois. Là je veux dire, c'est un peu amusant. C'est plus du tout amusant, c'est là le gros souci du soft que j'ai pu tester. J'ai pas su remporter un seul combat, pas un seul les mecs. Alors j'ai, c'est là où je me dis. Ouais, mais pourquoi tu dialogues pas avec les ennemis? Mais justement, j'ai essayé. Regardez. J'ai la preuve que je sais pas discuter avec eux. Bon. Au moins, c'est ça de remporter. Putain, au moins j'ai remporté un combat, c'est déjà bien. C'est tellement rare.
Ok, au revoir. Mais j'ai pas su recruter un seul démon pour tout dire. C'est ça qui est vraiment. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh là 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 là, il m'a tellement mis à mal. Ok, j'ai monté de niveau, c'est ça que tu vas me dire? Ah, c'est bien. Au moins, c'est déjà ça de gagner. Mais est-ce que je sais leur parler, quoi? Ah! Est-ce que t'es devenu mon allié? Attends. Ouais. Enfin, putain, j'ai un allié avec moi, putain. Je vous jure, il était temps. Oh putain, les gars, il était temps que j'ai un allié avec moi. Putain, il est super dur là. T'as des ennemis par moment, mais tu vas les rencontrer, mais ça va être incroyable. Comment ça va être difficile, hein. Oui. Esquive bien, s'il te plaît. Merde, je suis dans la merde totale. Escape, essaye. Ah, oh, voilà, merci. Vous voyez déjà comment je suis dans la merde, les mecs. Ah non, mais. Attendez, il va même pas dialoguer. Hein. Attends, c'est direct battle. Ils discutent même pas, hein. C'est direct au combat. Et ça va comme ça. Hein. Il est étrange ce jeu, il est étrange. Mais au vu de son contenu vraiment étrange et ses potentiels liens avec le premier ou le deuxième épisode, ça m'intéresse. Justement, ça, y a rien de mieux pour m'intéresser à ce sujet. Croyez-moi. Croyez-moi, y a juste rien de mieux, les gars. Par contre, où est-ce qu'on se soigne là-dedans? Bon, je sais qu'il faut payer pour généralement soigner quelqu'un, mais. C'est là, ouais, 100, putain. 100 boules. Bouf! Ça va, y a eu. Comme argent, quoi. Genre, réellement pire, quoi. Oh, attends. Ouah. Non, quelle mauvaise idée. Putain, je vous jure, c'est pas possible, la difficulté. Oh mon Dieu, la difficulté de ce jeu, c'est pas possible. Ah ouais. Ça veut rien dire comme je dis quoi. Au moins, ça va. Je veux dire, le repopage qu'il te fait, il est très gentil. Il te restaure tout le monde et tu perds rien. Vraiment, là, c'est très gentil, tu vois, à ce stade-là. Mais tout le reste, après, c'est ça qui fait vraiment sa difficulté au soft, tu vois. Eux, c'est bidon 20, je pense. Ouais. Tu es one shot limite, quoi. Ah oui, tu es one shot. Et tu remportes beaucoup de fric, putain, ça c'est bien. Je pourrais invoquer mon monstre. Hop. Yes. Je voudrais bien en avoir un deuxième justement pour putain, un zombie, merde. Un zombiatch. Ah! Ils font tellement mal. Ça veut rien dire, quoi.
Ouais, ça va, je l'ai. Oh, 27, sérieux? Putain, tu fais mal, toi, en fait. Mais clairement, pour tout vous dire, c'est vraiment le méga mid Tensei que pour l'instant, rien que pour son début, c'est le plus dur que j'ai pu tester. Vraiment le plus dur qui soit. Parce que putain de merde, mon gars. Waouh, quoi. J'ai vu des jeux difficiles, mais là, ce début. What the fuck, hein, mon gars. Après, ça va. C'est vraiment ce dépu. J'ai dit une connerie. Bah, non. Il faut vraiment se dépuceler. Question avoir un démon au moins avec soi, tu vois. Et là, après, ça va mieux, tu vois, mais. Ça reste dur, quoi. Ça reste dur, clic. C'est bien, au moins c'est déjà ça de fait. Et encore un niveau supérieur, putain. Ça monte vite les niveaux, hein. Mais c'est vraiment pour te dire que, ouais, la difficulté est à ma présente aussi. Tu m'étonnes qu'ils montent vite de niveau, les gens. Je. Putain, mais. Attends, y a pas moyen de voir la carte? Non. C'est pas ça que je voulais voir. Y a pas moyen de voir la carte. Non. Parce que m'a l'air que cet endroit a l'air gigantesque. Mais où est-ce qu'on est déjà? Où est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce qu'on commence là? C'est ça que je comprends pas en fait. Faudrait que j'essaye de lire des traductions du jeu. Apparemment, il n'y a même pas de patch anglais pour ce jeu. C'est chiant ça. Pas de patch anglais. Putain. Et il commence direct lui, hein? Salope d'ennemi là. Merde, ouais, j'ai pas assez de PM. Merde. Bon, tant pis. Je me lance en mode auto. Voilà, au moins, ça c'est fait. Et je vous jure, il est tellement grand cet endroit, je m'y perds. Et j'ai pas l'impression que t'as une map, quoi. C'est ça que je trouve le plus fou. Attends, t'as même pas de map pour te repérer. T'es perdu, bah tant pis pour ta gueule, hein, mon gars. Taré ce jeu, bon je te dis. Faudrait que je récupère au moins un deuxième démon parce que. Bah, j'aimerais bien faire une fusion, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que ce soit. Potentiellement possible quoi. Parce que au vu des ennemis que je rends. Putain. Ça craint pour ma gueule là. Ça craint sévère pour ma gueule. Mais je peux pas essayer avec eux là. Ah bah non, j'en ai déjà un. C'est pas possible. Au moins ça va, il m'a donné 30. 30 en pognon. C'est déjà ça, quoi. Je vais essayer avec toi. Ok. Au revoir. Faut vraiment le faire pour pouvoir avoir un démon avec soi. C'est. J'ai jamais vu un truc aussi dur pour essayer d'en avoir un, quoi. Quoi? Mais j'ai un pote de toi, là. Un peu de respect. Putain. Bon, écoutez. Je vais relancer le jeu. Oui, bien d'accord. Parce que justement, vous avez vu le 2. Donc on va justement montrer ce 2. Et ce qu'il représente. Hop, voilà. On va se profiter de la cinématique.
Alors, comme introduction plus malsaine, je sais pas comment tu peux faire encore pire. Enfin, encore pire, je parle malsain. Hein? On est bien d'accord. Donc, on va s'y lancer. Et vous allez voir que directement, on va avoir une façon de voir le gameplay totalement différente par rapport au Shin Megami Tensei d'origine. Croyez-moi. Croyez-moi. C'est quelque chose, et c'est vraiment quelque chose que vous allez voir qui est vraiment original pour le coup. Parce que c'est la première fois que je vois une telle chose pour un SMT. Bon, déjà, on a le truc originel de nommer notre personnage, n'est-ce pas? Hop. Donc, on attribue encore nos points, n'est-ce pas? Aussi. Alors, hop. Hop. Voilà. Et voilà. C'est le même. C'est le même jeu. Sauf qu'ici, on a une vue du dessus. Alors, même jeu, je sais pas. Parce que bon, les structures sont totalement différentes. Bien sûr. Les sprites sont totalement les mêmes par contre. La musique, bah c'est la même. La structure de... C'est quoi ce truc? La structure de la salle est totalement la même, hein. Mais par contre, comme vous voyez, c'est une vue du dessus et ça se joue totalement différemment pour le coup. Oh putain, 1000! D'un coup! Oh mais c'est génial ça! C'est un joli cadeau. Par contre, dans les salles que tu entres, tu sais. Le truc qui est dommage, vous voyez, on s'est pas indiqué si c'est. Je sais pas, une armurerie ou une connerie comme ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ouais, tu vois le gros souci, mec? C'est que je dois acheter des armes. Ou des bidules machin chouette comme ça. Parce que sinon, je vais m'y perdre, hein. Ok, donc ça, c'est monsieur qui nous soigne, mais j'ai pas besoin de toi. Du moins pour l'instant. Et ça, c'est. Ok, donc j'ai pas besoin de toi non plus. Mais j'ai pas un truc pour m'équiper ni rien. J'ai pas ça. Non, ça c'est l'objet de soin, tout ça. Je vais aller voir dans l'escalier, justement en bas. Et on va justement visiter, voir si c'est potentiellement possible de s'équiper de quelque chose. Parce que. Vaut mieux, quoi. Parce que là. Waouh, non. Oh non. Sérieux, mec? Tu me fais des combats comme ça aléatoires? Mais non. Donc on sait pas s'équiper. En fait, le 2 là, il est pire que le premier. Putain, mais. Alors putain qu'ils sont en difficulté, mais ça doit aller sec. Sadomasochiste lent de activité, ça, c'est bon. Quoique c'est ici qu'on a justement. Alors ça aussi c'est une musique assez célèbre du jeu. D'ailleurs la musique elle est quand même pas mal hein, aussi, il faut dire. Je vais se profiter un petit peu, tiens.
Il n'y a rien à dire. La qualité de soundtrack de ce SMT est vraiment superbe. Vraiment, il n'y a rien à dire. Par contre, où est-ce que je suis là? C'est marrant. Ah, enfin, des weapons. Quoi? Eh oh! Mais je veux acheter des. Mais je veux acheter des armes? Attends. Non, non, non. Il m'a pris tout mon fric. Regardez, j'ai. Eh oh! Ouais, mais toi t'affiches pas, salaud. Regardez, j'ai plus une thune. Oh, ce jeu! Mais il m'a pris tout mon pognon! Mais connard! Oh, le fils de pute! Légendaire! Putain, je connaissais des jeux difficiles, mais là. Putain de merde, quoi. Ah non! Ouais, mais attends. Tu. Je comprends pas. Tu me dis que je dépose mon argent quand je dois aller en bas. Sauf que le souci, quand je vais en bas, tu as le shop. Ça sert à quoi de me vider mon compte si je vais au shop et que j'ai zéro? Ça sert à rien. Mais par contre, ils ont foutu les pires ennemis justement pour parler. Parce que justement, les ghosts que vous voyez là, ça sert à rien de leur parler, hein. Ils comprennent pas ce que tu veux dire. Et les slimes, c'est pareil. Ils ont foutu les pires ennemis au début, quoi. C'est bon. Mais c'est pas encore trop dur. Oh, une fée. Oui. Attends, elle est. Ah bah quoi? Attends, 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 attends. Oh la salope! Pardon. Alors elle m'a demandé 200, mais elle a foué juste après. Oh la pute! Putain de merde. Je m'en doutais que ça se passait ainsi. Oh, je suis de nouveau là, d'accord. Oh, par contre, c'est moins marrant. Putain, merde. Bon, le truc bien dans tout ça, c'est que je ripop. Hein. C'est comme l'autre version, le 1, là, mais. Bon, voilà, quoi. Par contre, les ennemis, enfin, certains ils ont l'air bidon, quoi. Mais je dis pas ça pour un SMT, hein. Je préfère me tenir à l'écart parce que il y en a qu'un seul, mais il y aurait un groupe de 4, je suis sûr que je me fais défoncer ma race, quoi. Me fait niquer ma race. Putain, mais tu tombes sur des gens, mais ils sont limite anorexiques, les pauvres. Oula, 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 oula. Fouille. Mec, fouille. Je me fais facilement niquer ma race par ses ennemis là, par contre. On va essayer. J'espère que ça ira. Ah, mais d'un coup. Oh là 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 là, ça va être juste. Ça va être tout juste. Oh, j'ai gagné le niveau. Merci, alléluia. Putain, pile au bon moment, quoi. Oh, et ben j'ai du cul. T'as encore des trucs d'inscription? Ouah, juste devant les escaliers, mais tu te fous de ma gueule, toi. D'un coup, ils sont putain de résistants. Quand il y en avait un seul devant moi, je vous jure, il était pas aussi résistant que ça. Hein. C'est. Je sais pas. C'est. Strange tout ça quand même.
Elle est belle, hein. Mère Noël, je sais pas quoi, mais. Putain, t'as plein d'escaliers là d'un coup. Je vais m'essayer. Ouais, bien joué ça. Par contre, ça rapporte que dans le XP alors qu'ils sont bien plus durs que les slimes. Ça veut rien dire. Est-ce que c'était une bonne idée? Non. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Je vais mourir, voilà. Bah voilà. Bah voilà, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Vous avez vu le principal de ce que représente ce jeu, n'est-ce pas? Si vous voulez vous faire un challenge, bah lancez-vous sur ce jeu. Finissez le premier, après lancez-vous sur le deuxième. Je ne peux que vous le conseiller si jamais vous êtes en manque de sensations, de lancer de manette, de cassage de vide, de pétage de plomb, de poing sur le bureau et tout ce que tu veux. Non mais je déconne avec ça, mais je vous jure que un truc pareil, je suis sûr que ça peut amener à ça. Hein, parce que imagine un boss dans ce machin. Imagine seulement un boss. Alors que déjà, des ennemis normaux par moment, je galère mais à mourir quoi. Enfin voilà. Sur ce, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Direct play totalement improvisé parce que allez, j'ai essayé le jeu il y a vraiment pas longtemps. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas en faire une vidéo. Sur un coup de tête, je me suis dit, ouais, c'est le Megami Tensei le plus dur que j'ai pu tester. Et je me suis dit, pourquoi pas vous le montrer? Pourquoi pas, justement, illustrer mes propos? Pourquoi, justement, ne pas... Enfin, ne pas... Pourquoi, justement, il faudrait pas que j'illustre mes propos? Bah, voilà. Le but de cette vidéo est donné. Fervent joueur de Shin Megami Tensei 2 qui trouvait le jeu trop difficile... Et pourtant, oui, il est très difficile chez Shin Megami Tensei 2. Vraiment. Mais ce jeu, je pense qu'il va prendre vraiment la relève, quoi. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous tout le monde. C'était Ultima iPod. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain direct. Sur ce, je vous fais de gros bisous tout le monde. Ciao, bye bye.